OK, on est à le dernier alinéa, l'alinéa 14 du chapitre 3. Non. On est au chapitre 4, alinéa 14, alinéa 4. Alors on m'a dit qu'on est au chapitre 4, alinéa 4. OK. Page 40. Très bien. Umehen chamisha dvarim aoseh otan en chezkato lashuv mehen. Donc le Rambam cite les 24 choses qui rendent difficile la tshuva. Là, il va citer cinq choses qu'on a une chazakah, on a une présomption que la personne ne fera pas tshuva de cela. Pourquoi? Les fichem dvarim kalim bene rova adam, parce que c'est des choses qui ont l'air légères pour la majorité des hommes. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait de grave. Et ils ne pensent pas faire tshuva. Et il se retrouve pécheur. Et lui, il imagine que ce n'est pas un péché. Veluhen, et les voici. 1. Ochel misouda shena maspeket le baalea. Celui qui mange d'un repas qui ne suffit pas à son propriétaire. Tu es dans ta chambre, monsieur la Shiva, tu t'es acheté deux petits triangles de pizza, rentre ton colocataire. Oh, elle est bonne cette pizza. Il t'a rien demandé. Toi, tu ne peux pas ne pas dire, hey, tu veux un petit morceau? Si tu insistes, je ne dis pas non, d'accord? C'est un vol. Parce que lui, il ne voulait pas me donner. Il se sent obligé de me donner. Et c'est lui qui propose. J'ai même pas, le demandeur n'a même pas demandé, d'accord? Mais c'est quand même un vol parce qu'on l'oblige quelque part à cause d'être quelqu'un de poli et de gentil. On l'oblige à donner un morceau de son repas alors que ça ne lui suffit pas. Lui, s'il avait quatre pizzas, ça va. Mais s'il n'en a que deux petites comme ça, deux triangles, c'est tout ce qu'il lui faut, d'accord? Tu lui prends un peu, ça lui manque. Chez eux, avak gezel, c'est de la poussière de vol, c'est un vol des rabanan. Quand on dit poussière, c'est toujours un vol de poussière de la chanora, poussière de gezel, d'accord, c'est des rabanan. Humedabe chez l'ochata, et lui pense qu'il n'a pas péché. Je lui dis, c'est lui qui m'a proposé la pizza, moi je n'ai rien demandé, j'ai juste dit qu'elle avait l'air bonne. Veyomar, et il dira, klum achalti et la birchuto, j'ai mangé avec son autorisation, c'est pas du vol, c'est lui qui m'a proposé, d'accord. 2. Amishtamesh bavoto shel ani. Celui qui utilise un habit qui était en garantie pour un prêt d'un pauvre. Shavot shel ani enoela kegon kardom ou machesha. C'est pas forcément un habit comme j'ai dit, c'est en garantie. Ici il dit c'est un outil, une hache ou une charrue. Yomer belibo, et il va dire enem chaserin. J'ai rien fait de mal parce que j'ai pas usé la hache, j'ai pas usé ma clé utilisée, je l'ai pas usé, donc j'ai rien fait. C'est comme s'il était chez moi à la maison. Varelo gazal teoto, et je l'ai pas volé. Or c'est du vol. 3. Va misakel barayot, celui qui regarde les femmes. Malal daato shen bekar klum, il pense qu'il a rien fait. Shomer il dit vechibalti, que j'ai une relation avec elle, pour qu'il ravti et cela, parce que je me suis rapproché d'elle, j'ai touché. Veno yodea, sheria tainaim, avon gadol. Il ne sait pas que regarder une femme, c'est un grand péché. Aïe, 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 shigoremet les goufan chez la rayot, qu'elle entraîne les péchés plus graves, des interdits sexuels. Chez les mar, comme il est dit, velo tatoua relevavrenechem. Vous n'irez pas après votre corps et vos yeux. Donc c'est écrit dans la Torah. La vérité, le Rambam dit que c'est un interdit des Rabbanan. Le Rabbanu Ona dit que c'est un interdit de la Torah. Donc c'est très grave, il faut faire très attention à cela. D'autant plus que c'est presque impossible de sortir dehors sans se faire agresser. Donc il y a un travail énorme à faire sur les yeux. Et c'est ça aujourd'hui, on peut dire la mission numéro 1 de tout bon juif. 4. Ametrabed Miklon Havero, celui qui s'honore par la honte de son prochain. On a déjà parlé de cela. Celui qui fait cela, il n'a pas part au Lamaba. C'est quoi? On compare les notes. T'as vu, ah, j'ai meilleure note que toi. Ou il y a un concours entre deux équipes, et une équipe qui a gagné, l'autre pas. Toujours, chaque fois qu'on va nous s'honorer par rapport au manque d'honneur de l'autre, ça lui fait honte. Pas forcément une grande honte, mais néanmoins, bon, lui n'a pas gagné. Alors ça s'appelle Mitrabed Miklon Havero. Omer Bilibo, il dit dans son cœur, Shein Ochote, qu'il n'est pas, Shein Ochet, ce n'est pas un péché.
Ici, En Havero, Mencham, parce que son ami n'est pas là. L'Ogiyalo, Bochette, Velo Bichon, et aucune honte lui est arrivée, il n'a pas, pas fait honte. Donc on voit que c'est même dans le cœur, le type il dit, je suis le meilleur élève de la classe, d'accord, avec la note que j'ai reçue, alors que mon ami, il a reçu beaucoup moins que moi. Elle a Arach Maasa Vatovim, Vechochmato, Lemul Maase Havero. Il a évalué ses bonnes actions et sa sagesse par rapport aux actions et à la sagesse de son ami. Pour qu'il apparaisse que lui est digne d'honneur et son ami, pas. J'ai l'impression que c'est quand même en face de lui. Non, les fichiers, il dit non, il n'est pas là, il n'est même pas là. D'accord, c'est très dur. 5. Rochel Bakcherim, celui qui suspecte des gens cachers. Il y a eu un vol, d'accord, il ne sait pas, mais il suspecte des gens que peut-être c'est pas lui, d'accord, il ne sait pas, mais il le suspecte. Omer Belibo, chez Nochet, il se dit dans son cœur que ce n'est pas un péché. Fichu Omer, 10 ans, Ma Sitilo, qu'est-ce que je lui ai fait? Yesham El Achashad, il y a ici que je le suspecte, je n'ai rien dit à personne, c'est dans mon cœur. Shema Asa, Olor Asa, juste un doute que peut-être il a fait, peut-être qu'il n'a pas fait, je n'ai pas dit qu'il a fait, je ne pense pas qu'il a fait, je dis peut-être. Et il ne sait pas que c'est un péché. Shemessi, Madame Kacher, Bedato, Kebal, Averot, qu'il considère quelqu'un de Kacher comme ayant fait des péchés. Le problème, s'il n'a pas joué les 15 euros, c'est quoi? Il y avait une situation, c'était un safek. Ouais, problème. C'est très compliqué. Il y a eu un vol. Maintenant, lui, il a 2-3 suspects, d'accord? C'est certain que ces 2-3, il y a un qui est coupable, même pas ces 2-3. Les autres sont cachers. Qu'est-ce que tu vas maintenant suspecter des gens cachers? C'est très dur. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va dire. 5. Omehen, Chamisha Dvarim, Aoser Otam. On continue sur donc, la liste des 24. Et là, on a encore 5 choses. Tamid. C'est chose aussi, il les fait, il commence à les faire, il sera toujours entraîné à le faire. Et c'est dur d'arrêter de faire ses péchés. C'est un peu une addiction. C'est pour ça qu'il doit faire attention de ne pas adhérer, de peur qu'il va adhérer et qu'il va être addicté à ses péchés. Ce sont tous des mauvaises midot, quand le Rav dit des hautes, ce sont des midot, d'accord, des mauvaises qualités d'âme, très. Velouhen, rechilut. Rechilut, c'est colporter des choses qui ne sont pas forcément négatives, mais qui peuvent causer un tort à la personne. Voilà. Alors je peux le dire par exemple sur Aviel, parce qu'il a dit ça en public. La semaine passée, il était à Chypre. D'accord, ça l'embête qu'on dise qu'il était à Chypre. Les gens vont croire que je suis un. Qu'est-ce que j'en sais, moi, je prends des vacances comme ça. Alors qu'en soi, il y a un de mal d'aller prendre des vacances à Chypre. C'est moins cher qu'en Israël. D'accord. Alors, vu que lui en a parlé, ça va. Il y a tout le monde au courant, ça va. Mais sinon, je n'ai pas le droit de dire un truc pareil. Ça s'appelle Rechilut. D'accord. La Shonara, c'est quelque chose qui est négative en soi et qui est vrai. Bal Chema, la colère. Bal Marshavara A, celui qui a une mauvaise pensée. Il s'agit sûrement de toutes sortes de mauvaises pensées, que ce soit des pensées sexuelles, des pensées de haine, de jalousie, etc. Va Mitraber, la Racha, celui qui se lie avec le Racha, avec le mécréant. Pnesh Ulome Bimasav, vu qu'il apprend de ses actions. Venir Shamim Belibo, et ça a un impact dans son cœur. Houshamar Shlomo, c'est ce qu'il voit Salomon, Verewek, Silim, Yeroa, celui qui paie, du verbe paître, d'accord, celui qui paie des idiots fera le mal. On va finir le chapitre. Okvar be'arnu bilchot de'ot dvarim shetzarich kol adam minhog ba'et tamid, kal v'chomer le'bal tshuva. J'ai expliqué dans ilchot de'ot, donc le Rambam a écrit, c'est quelques chapitres qui parlent seulement des mauvaises qualités d'âme, comment arriver à changer, comment il faut vivre, etc. Là-bas, il donne aussi toutes les lois de nourriture, qu'est-ce qui est cachère, qu'est-ce qui n'est pas cachère, pour être en bonne santé.
Alors j'ai déjà écrit ça là-bas, et chaque homme doit se conduire ainsi. À plus forte raison, le Baal Tshuva. Vav, 6. Kol elu advarim ki yoseh bahem, toutes ces choses-là, et autre chose du même genre, afapi shemakvin et tshuva, bien qu'elles empêchent la tshuva, en monim otam, il n'empêche pas totalement. Et là, imasa adam tshuva mehen, mais si la personne a réussi à faire tshuva de ces choses-là, arez Baal Tshuva, il a appelé Baal Tshuva, ויש לו חלק לעולם הבא, אל הפר, העולם הבא. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.